c'est bon, je crois. Non. Hey, comment ça, mes petits sueurs, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo de scène pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Mister V. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va bien rigoler. Ce sera limite à l'impossible de pas rire. Ah ouais, ça fait un moment que je vois qu'on me le propose dans les commentaires. Alors, vous aurez intérêt de liker la vidéo, hein. Je l'ai pas fait pour rien. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire quel youtubeur ou tiktoker vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire dans un commentaire qu'on me fasse de rigoler. Allez, c'est parti, mes sphères. Tu prends du gel hydroalcoolique. Okay. Bah. Ça fait beaucoup là, non, de gel? Ok, bon, même. Ouais. Il fait souvent. Il bique. T'as mis du gel, toi? Ouais, okay. Mister V. C'est ça. J'ai la rêve. Ouais, ça marche. C'est ouf. Ouais. Vas-y, mon gars. Hein. Vas-y, ouais. Est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? Je sais pas. C'est Galilée, non? Il brandit une boule, une sphère. Il a peut-être trouvé que la Terre était ronde. La Terre est quoi? Ça on ne pas ça. Non. Mais il y a un gars qui l'a dit, je suis pas dingue. Zaini, Daini, Zaideni. C'est lui qui a frappé l'italien, c'est ça. Je suis sûr avec ton corps, c'est pas ça, 1000 pompes. Mais je le fais direct, frère. Mytho. Bah t'es mort. Mytho, vas-y. Ok. 4. 1000. Oh putain, enfoiré. Oh, il les a fait. Oh bâtard! Oh la puissance! Maramé, je suis chaud! Maramé, trop talent! On est une personne incarnée! Et mon pote, il est trop lourd! Retournez! Et mon pote, il bombe trop bien sa mère! Qu'on fera dans une prochaine émission. Mister V aussi, vous le reverrez. Madame, regardez, il triche! Et lui là, regardez, il est juif! Et lui là, derrière, il est noir! Buana! Ah. Maman, j'ai combien d'argent de poche demain? 300 €, mon chéri. Yes, je vais m'acheter la PS4. Non, c'est pour tes poches, chéri, ok? Je vais chercher le dessert. Yeah. C'est cool, c'est le moment que je m'entraîne avec mon souffle, je crois. Et voilà le dessert, les gars. On fait un peu de place? Ah, super. Ah, j'aime ça, moi. Attendez, mais y a pas de bougie. Ah, vous avez vraiment rien préparé, en fait, quoi. C'est pas grave, je vais mettre les bougies moi-même. Ah, il est chiant, tu mets pas de bougie. Bah, c'est une bûche, c'est comme un gâteau d'anniversaire, c'est bon, ça te coûte quoi si je mets une bougie? Voilà, j'en mets une, hop, ça change rien. Mais pas de bougie sur une bûche de Noël. J'allume la bougie, je la plante et je la souffle en faisant un souhait. Le souhait que tous mes amis meurent. Voilà, joyeux anniversaire, Hugo. Mais voilà, bah bravo, t'as gâché la bûche de Noël. Comment c'est possible qu'il aborde des sujets? Il nous embarque dessus à 10% et après il change de sujet. C'est le principe d'un live avec aucune préparation comme ce que tu m'as amené en fait. Mais pas du tout, c'était... Regardez, je suis Amine. On s'assoit sur un canapé. Oh, j'ai des cheveux longs, je suis Amine, j'ai des cheveux... Ta mère, elle fait tellement jeune que j'ai cru que c'était ta sœur. Si ta mère c'était une manif, il n'y aurait aucun casseur. Oh, que des gens civilisés, chaleureux et courtois comme tout. En gros, pas des Arabes. J'adore Amine et Billy, hein. Je regarde leur Twitch et tout, j'aime bien. Classer des gens selon leur race, ça n'a rien de raciste. Ouais, la licra, ouais, j'arrive. Donc, je recommence. Numéro 1, blanc. Didier a 24 ans, fils de l'humoriste Mister V, il vit avec la particularité de n'avoir jamais grandi et mûri depuis l'âge de 11 mois. Une situation difficile à vivre au quotidien pour sa copine, Lucie, qui partage sa vie depuis 2 ans. Ça me prend beaucoup de temps et puis vous savez, il faut tout le temps être derrière lui, quoi. C'est parce qu'en soi, voilà, quand il... Ah bah voilà, là par exemple il s'est chié dessus. Caca. Oh non, il m'a vu. Je crois qu'il nous cache quelque chose. Pierre Valentin, si tu as encore soulevé ma femme, ne tourne pas autour du pot. Je crois qu'il ne s'agit pas de ta femme, Goneman. Aurais-tu soulevé ma sœur, Pierre Valentin? Tu es vraiment un beau salaud. Je vais nous servir 3 grands verres de lait français et tu nous raconteras comment tu as soulevé ma petite sœur chérie. Allez. C'est le bon moment pour filer à l'anglaise. Je touche pas là, c'est... Attends, là c'est bon, je crois. Non. Le saoul avec sa voiture. Alors qu'en fait c'est pas sa voiture, il est en train de faire les fils. Ouh. Pourquoi j'ai le maillot, j'ai un paillasson sur moi. J'aime bien ça faire un baba. Fernandel, Puget, l'huile d'olive du sud, joue à la pétanque avec les amigos. S'il n'y a pas du savon de Marseille, moi j'ai toujours besoin du savon de Marseille pour me laver le corps. Parce qu'à Marseille, on utilise beaucoup le savon de Marseille. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Je pense à Zidane souvent. Ma fille, je l'appellerai Marseilla. Si c'est un hybride, c'est genre un garçon et une fille, j'appellerai Marseillano Cosolo Nitele. Excusez-moi, est-ce que vous avez une clope? Ah non, deux doigts, parce qu'en fait j'ai plus de mouchoir. Sacré humain, c'est chiant. Et là le gars me dit... Le tuto pour faire une bonne herpès. Première étape, passer une sous-couche d'homéoplasmine. Ensuite, ajoutez-y du rouge à lèvres. Et enfin, la dernière étape, le dentifrice qui servira à faire une couche de pus sur l'herpès. Et voilà les filles, à très bientôt pour un nouveau tuto make-up. Et vous disposez de la plus belle vue de tout Paris-Est. Waouh! Et le quartier craint pas trop? Non. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est les enfants du quartier, ils sont super sympas, regardez. Ça va les enfants? Ah, t'as failli m'avoir, ma tête était plus à gauche. Ils sont top. Niquez ma mère aussi. Voilà, ensuite le salon du mot de les 2000. T'as les crampés? Sois coupé. Malcolm. Il est pas là, monsieur. Il est pas là? Non, il est pas là. Voilà. Alhamdoulilah! Alors, excusez-moi, je suis pas du tout musulman, hein. Mais Alhamdoulilah quoi. Parce que j'adore et je le goûte en plus. Tu vas tranquille. Excusez-moi pour le retard, j'étais pas là. Ah non mais vous étiez pas là non mais c'était bien aussi. Non écoutez, vous voulez pas faire un tour au parc à côté là? Non, il fait froid. Si il y a des scooters, il y a plein de choses. Allez-y s'il vous plaît. Tenez, fumez un stick. Allez fumer un stick, c'est de la bonne de sa mère, c'est bien calibré, bien coupé. Hein, ouais, c'est de la bonne. Mi-temps, mes sphères, j'ai rigolé une fois. Sérieux, un rire, ça va. C'est trop drôle le sketch où il grandit pas. Ou aussi le sketch de l'agent immobilier. Quand il esquive, il dit ah, t'as failli m'avoir, ma tête était plus à gauche. C'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Jordan, il a 20 ans. Originaire de la région parisienne, il est en couple avec Ilona, 14 ans. Il a une Opel Corsa grise d'occasion, dotée d'un poste radio dernier cri et d'un pot troué. Il a un piercing à l'arcade, un collier de barbe et une chevalière un peu usée sur laquelle est écrit Porcienne Pré. L'amour, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question... Ilona, elle est grave mature, tu vois. Elle va avoir 14 ans, là. Cette année, dans 2 mois, elle a 14 ans. Là, elle a pas 13 ans, elle a 13 ans et demi, là, mais elle a 14 ans dans... Fan de shit, il est au chômage, mais compte bien percer dans le airsoft, la haute couture ou le MMA. Ilona, tu casses la tête. Je t'avais dit, tu fais ton DM mercredi après-midi, comme ça, vendredi, on va au bowling. Mais bébé, je t'ai dit, mercredi, j'ai la S. Mais j'en ai rien à foutre de là. Il est 22% espagnol et 7% kabyle. Sa photo de couverture Facebook est une collection de bouteilles de Jack Daniels et il préfère PES à FIFA. Je l'aime tellement. Et tu fais gaffe, hein. Tu fais gaffe. On va aller vite fait jouer à LOL. T'as respecté là, faut que je fume un joint. En effet, ce mec a tout pour lui. Et surtout, un gros souci mental. Tu vas trouver ça improbable, mais tous les élèves de l'école sont malades. Une épidémie horrible a pris d'assaut l'école. Le virus 74V8 s'est retrouvé dans le sirop de grenadine à la cantine. Un système immunitaire tatin. Certains de mes élèves ont une grippe du genou, ou encore un rhume des cheveux. Vas-y, un rhume des cheveux. Un système immunitaire tatin. Certains de mes élèves ont une grippe du genou, ou encore un rhume des cheveux. Il y en a même un qui a une tumeur au caca. Et c'est gênant parce que ça se voit. Ça suffit maintenant, tu vas à l'école. C'est bon, j'ai pas envie d'y aller là. Putain, c'est une case de L. Y'a que des meufs moches qui fument des cigarettes roulées qui coûtent du fauve là. Tout sur Planet Trap avec ce soir Hackmoose et JM Skirt qui sont nos invités. Toute leur équipe, ça va l'équipe. La famille te connaît, c'est blanc frère. Ah, si bras. Ah, et petit bémol malheureusement pour toi JM Skirt, hein, cette photo ce matin qui est tombée sur Twitter de toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça, JM Skirt? Alors moi, tu vois, je veux pas trop m'expolier sur le sujet, tu vois, donc je vais faire ça d'une traite. Ok. Hier soir, je m'ennuyais, j'ai voulu faire rire mon pote Samy, tu vois. Ouais, je comprends. Donc j'ai pris la photo, je lui ai envoyé. Et si t'en verrais que tu vois, j'ai des gros doigts. Donc j'appuie sur le bouton dans ma story, tu vois. Ah ouais. 17 000 captures d'écran en 10 secondes. Et les haineux, ils ont mis ça sur Twitter, Facebook et compagnie de mes couilles. Et moi, là-bas, c'était pour faire rire mon pote Samy. D'accord, ok. Et toi, Hackmoose, comment t'expliques ça? Bah, c'était pour faire gaulerie Samy aussi. Hein. Je vais pas te cacher. Ouais. Ah, c'est gênant. Et franchement, honnêtement, on voit pas ce qu'il y a de spécial la photo. Donne-moi tout ton or, mécréante. Ah, tu peux pas. Fais gaffe parce que je suis broliqué. Chef. Allez, viens, petit Jean. Dis pas le nom, putain. Allez, viens. Être mille, il était un jour qui se lève. Il était un jour qui se lève. C'était la fête, on allait danser et tout. Un mec qui a une décapotable au state. Et moi. Ça va les filles? Nique ta mère. Ok. Et voilà frérot, on est tout bon. Ah merci mon pote. Et à chaque fois tu me fais des coupes du futur mon gars. En plus là maintenant, j'ai un rendez-vous avec une go. Bah, je vais tout niquer mon pote. Merci beaucoup mec. Ah merci mon pote. Les mecs, tu sors de la classe maintenant. Je suis qu'un tag, ouais. Bon bah du coup je vais aller au CDI. Bro, go slide to her DMs. Slide into her. I love it. Because I don't like it. Oh god. Excuse-moi frère, t'es tunisien non? عرفتك انت تونسي ظاهر عليك ظاهر وجهك تونسي هاك ولا لا؟ امورك سبا لاباس امورك سبا لاباس خالتك كل شيء العائله كل لاباس تكلم عاد شبيك نعم دينا وصصت؟ Monsieur Touzouer, les psychologues sont formels. Vous êtes trop violent, vous avez rien dit. Je suis pas violent! Vous êtes violent, monsieur. Je suis pas violent! Voilà. C'est vous qui dites tout ça, moi je suis gentil! Bah c'est la gentillesse! La gentillesse, tu comprends ça? Monsieur, vous êtes violent, voilà. Respectez ma gentillesse! Respectez ma gentillesse! Bah voilà, je suis mort. Après Stromae, venez découvrir son sosie approximatif. Stromae, le sosie le moins officiel de Stromae. Papa, dis-moi où tu te situes. Stromae, des imitations moyennes. Je suis fier de représenter la Belgique une fois. On ira jusqu'au bout avec mon équipe. Sauver la coupe, il est gros cul, il a te garde du télo. My friend, my case to play no strawberry. Non, j'aime pas. Tu peux me rajouter un petit peu des cheveux, s'il te plaît? Ok, Shaquille O'Neal. Nice job. Ouais, c'est pas mal, mais moi j'imaginais plus brun, quoi. Dr Paper. Yo, man, you look so nice. Ouais, c'est pas mal, mais moi j'imaginais plus volumineux, tu vois. Plus de volume, quoi. Ok, chicken wings. Oh, man, it's incredible. Non, j'aime pas trop. Moi j'imaginais plus un truc plus bouclé dans le volume, tu vois. Fuck the police. My friend. Excusez-moi, vous avez un chargeur iPhone? Oui, bien sûr, attendez, je vous le mets derrière. Hop. Oh, ouais, à la gauche. Droite. Comment bah, vous me dites droite? Non, c'est pas le A, non, pas le bon. On n'arrive pas à se comprendre, pas le... Non. Jusque presque là, non. Ah bah c'est mince. Ah, ah ouais. Mmh. Non, ouais. Non mais vous faites quoi? Oh, oh, oh. Mmh. Il se sent en mode tranquille, il le péta à un éclair. Oui. Hop là, branché. Mais qui conduit? Elle se conduit toute seule. C'est une Tesla. Mmh. C'est beau Paris, hein. Ils ont mis un tram ici, je savais pas. J'habitais là. Ah oui, non, en fait, non, non. Allez, à tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai pas regardé devant moi. Excuse-moi. Oh, mais... c'est la bête. Si j'en crois le dos collé en or, il s'agit de l'édition de 1878. La plus rare qui existe à ce jour. Seulement sur un tirage, il me semble. Un véritable bijou d'impression à la hauteur du chef-d'œuvre qu'elle contient. Stratinsky a tellement mis ses tripes là-dedans, une œuvre comme ça, ça vous marque à vie. Il fait la déloge. Eh ben, fous-le-toi au cul ton livre là, t'es sérieux? Je m'intéresse à la culture, j'aime bien m'instruire. Bolos, va. J'aimerais tellement rater ma vie comme... Ah, vraiment, là, je suis fatigué, là. Je suis content de te voir, mon ami Honoré. Ah, Wakanda. Wakanda, mon ami Black Panther. Pour moi, je l'aime à faire, le foufou, le poulet. Moi, j'adore le poulet. Manger les poulets tout le temps. Et je suis noir. Danser autour du feu. Et un os dans le nez. Oh, ça va, on déconne, là, oh. Je regarde le Paris-Dakar, moi, man. Je prends des Uber. Oh, nous qu'à rigoler, man, ok? La grande blé est passée au microscope. Je veux que ma pâte soit irréprochable. On doit pouvoir la regarder et se dire que Dieu m'en soit témoin. Cette pâte est magnifique, elle est gorgée de soleil, elle sent le terroir et j'ai envie de baiser. C'est important pour faire une bonne pizza de travailler la pâte avec passion. Car vous savez, pétrir, ça ne s'apprend pas. Enfin si, mais dans la rue. Vous vous dites sûrement que c'est une métaphore. Mais pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une métaphore. J'ai eu 5 au bac de français. Non, je vous parle d'un véritable passage à tabac. D'une suite de coups et de prises de soumission. À vrai dire, je me suis jamais battu contre un humain. Mais contre une pâte, j'ai toujours gagné. Sauf 2 fois. Et je sais que ma pâte est bonne quand je me mets à chialer à chaudes larmes. Sinon, c'est de la merde. Excusez-moi, ça me reprend. Bon, ok, ça, ce n'est que la première étape. La seconde consiste à la travailler au corps en continu et à lui infliger une torture psychologique. Je ne lui laisse aucun répit. Suivez-moi, ne faites pas de bruit. Merci. De rien. Allez, salut. Mieux vaut être prévoyant. J'ai la cible en visu. Allez, on y va. Tu vas t'arrêter, oui. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 3 fois, je m'en sors bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode de Mister V. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao mes sphères.